J'ai ensemencé le compost avec du compost qui contient déjà des lombrics. C'est une installation. C'est une première dans l'agglomération angevine. Jeudi, un composteur à usage collectif a été inauguré à Trélazé. Depuis 2005, Angers-Loire Métropole développe la fermentation des déchets organiques et 8000 composteurs individuels ont été mis en place. Mais depuis hier, l'agglo joue la carte collective. Il y a un ensemble d'habitants qui, autour de cet objet, vont pouvoir bénéficier de cet outil pour y mettre ces déchets ménagers, fermentissibles, et donc de pouvoir faire du compostage comme il est permis de le faire lorsqu'on habite en pavillon individuel. Dès lors qu'au moins 20% des foyers d'un immeuble sont volontaires, le projet peut être lancé. Les résidents désignent ensuite un guide composteur qui reçoit une formation adaptée. Mon rôle à moi, c'est de justement contrôler s'il n'y a pas d'objet qui serait mis dedans et qui n'aurait pas besoin d'y être. Et de faire le mélange en même temps, d'assurer le compost dans son ensemble. 16 autres sites sont déjà concernés dans l'agglomération. À partir de 2010, 40 composteurs collectifs pourraient être créés chaque année.